Ça consiste, comme toute organisation, à faire quelque chose d'utile pour les gens qui viennent nous voir et qui viennent chercher des nouvelles rencontres, des nouveaux orateurs, des nouveaux échanges. Donc on est content d'organiser ces journées. Et même si ça demande beaucoup de travail, c'est quelque chose d'utile pour la région et pour tous ceux qui pratiquent l'hypnose, tous les soignants qui pratiquent l'hypnose dans la région. Les intervenants sont soit des personnes locales, soit des personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont très connues et qui ainsi nous font participer aussi à leur expérience de tout le quotidien. Les intervenants peuvent être internationaux aussi, comme on a eu cette année, en particulier des gens qui viennent de Belgique ou de Suisse, et peut-être l'année prochaine d'autres pays, on ne sait pas. Une médecine parallèle, c'est une technique qui va nous permettre d'améliorer ce que nous faisons à l'heure actuelle. Nous n'allons pas changer, c'est-à-dire que l'hypnose ne va pas remplacer les traitements incisifs. Il est hors de question de traiter par exemple un cancer par hypnose et de supprimer les chimiothérapies ou les radiothérapies. C'est pas ça. L'hypnose va être une technique qui va nous permettre de mieux supporter, ou pas nous les patients, encore qu'on peut tous être des patients, qui vont nous permettre de mieux supporter les effets de ces produits et de mieux vivre ces traitements qui sont quand même très agressifs. Alors, nous sommes arrivés à avoir une qualité exceptionnelle de l'anesthésie au point de vue technique. Mais il manque encore quelque chose, c'est-à-dire que le patient angoissé, quelle que soit la technique, va arriver angoissé. Ce n'est pas en lui donnant des drogues soi-disant tranquillisantes qu'on va améliorer le problème. L'angoisse, elle reste là. Elle ne disparaît pas. Et un patient qui s'endort dans l'angoisse va mal dormir pendant l'anesthésie et va d'autant plus mal se réveiller, d'où le risque de douleurs exagérées, de choses comme ça. Donc moi, par exemple, ma démarche, ça a été, une fois que j'ai bien pratiqué ces techniques modernes, je me suis dit, il faut faire plus. On a la sécurité, passons au confort. Et le confort, c'est ça, c'est se former à des techniques d'échange qui permettent d'amener les gens dans des conditions psychologiques bien meilleures à l'intervention. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de perte d'influence de la psychanalyse de plus en plus, enfin grandissante, et une augmentation de ce qu'on appelle de pratiques des thérapies brèves, de l'hypnose, tout ce qui est dérivé de l'hypnose. L'hypnose est un moyen au service des traitements des gens, on va se servir de ce qui est le mieux. Moi, ça m'arrive, je prescris, hein. Je prescris des psychotropes, je prescris des antidépresseurs, des tranquillisants, et heureusement qu'on les a. Hein. Faut pas les mettre en concurrence comme ça. Ce qui compte, c'est la santé de la personne. Donc, quand il faut se servir de tranquillisants, ben on s'en sert. Quand il faut se servir d'antidépresseurs, on s'en sert. Quand on se sert d'hypnose, on s'en sert. Quoi. C'est en fonction chacun des besoins de chacun. Quoi. Je dirais que de l'hypnose réglée, j'en fais, c'est-à-dire des séances officielles d'hypnose, dont on voit, comme vous avez vu ce matin, je vais en faire un tiers de mon temps. Un tiers de mon temps. Un tiers de mon temps, je fais autre chose, des entretiens, des prescriptions médicamenteuses, et un autre tiers, ben, je navigue entre eux, ben, je ne saurais pas trop le définir. En Suisse, nous avons déjà officiellement un diplôme en hypnose médicale pour les médecins, ainsi qu'aussi pour les psychologues et psychothérapeutes. Une place importante, c'est au niveau de la douleur, des problèmes psychosomatiques, dermatologiques. Et nous avons commencé maintenant au bloc opératoire aussi. Par exemple, des interventions pour un problème de thyroïde. On commence à introduire l'hypnose et anesthésie locale à la place de l'anesthésie générale. Étant un pays petit, c'est plus facile à faire passer au niveau des hôpitaux, y compris les hôpitaux universitaires, que dans un grand pays, je pense, comme la France. Le thème de ma conférence, c'est de parler d'hypnose et de la magie de l'hypnose. Et alors, c'est un paradoxe. Ce que je veux montrer aux personnes, aux praticiens, c'est que l'hypnose a une explication. Et aujourd'hui, une explication qu'on peut dire scientifique. À la fois
en termes de sciences humaines, mais à la fois aussi en neurosciences. Mon métier, c'est d'être psychologue clinicien et je travaille essentiellement en maternité, hein, dans une grande maternité de Rouen. En maternité, le travail de psychologue dans l'utilisation de l'hypnose va être de préparer par exemple les femmes à la naissance, de leur donner un moyen de réduire la douleur, les sensations désagréables de l'accouchement, même si on sait très bien que si elles sont débordées dans notre hôpital, elles auront aussi la possibilité d'aller voir la péridurale. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est que nos collègues anesthésistes sont aussi formés à l'hypnose. Et l'intérêt de l'hypnose, c'est de mobiliser les ressources des femmes qui ont perdu confiance en elles. L'hypnose, c'est pas du tout de travailler avec la logique et le discernement de la personne, c'est travailler avec l'imagination, parce qu'on sait aujourd'hui que l'imagination peut avoir un effet durable sur la physiologie du corps.